50%, que dis-je, 51% de la population mondiale sera en surpoids ou obèse d'ici 2035. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Fédération mondiale de l'obésité. Il se trouve que pour lutter contre ce fléau, des sociétés cotées sont en pointe en matière de recherche. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Donnez-nous un petit peu de chiffres. Combien de personnes aujourd'hui en surpoids dans le monde? Bah écoutez, je pense que c'est exactement ce que vous avez dit, c'est un fléau, hein. On a 1,9 milliard d'adultes de 18 ans et plus qui sont en surpoids. Parmi ces 1,9 milliard, on a 650 millions de personnes qui sont obèses. Si vous regardez après par les tranches d'âge, vous avez plus de 340 millions d'enfants et d'adolescents qui sont âgés donc de 5 à 19 ans, qui étaient en surpoids, qui sont en surpoids ou obèses. Et puis, ce qui est peut-être le plus dramatique, c'est que vous avez 38 millions d'enfants de moins de 5 ans qui sont en surpoids et obèses. Donc vous avez un phénomène dévastateur. Et vous savez, les calculs qui sont faits, et c'est là où on sourit un peu moins, c'est que l'obésité tue chaque année, estimée, 300 000 personnes. Et depuis 1975, c'est le dernier chiffre que je vous donnerai, David, eh bien, le taux d'obésité a quasiment triplé. Donc on voit que c'est malheureusement un phénomène d'actualité totale. On le voit sur les images là qu'on diffuse, c'est pas un problème typiquement américain, honnêtement. Ben, c'est ce qu'on pourrait se dire, effectivement, si vous regardez les États-Unis, ben, vous voyez que la majeure partie, enfin pas la majeure partie, vous avez beaucoup d'Américains qui sont obèses. Ce que vous regardez plus en détail, c'est que c'est la partie des Américains qui sont le plus défavorisés, qui sont touchés par ce fléau. Et ça a une telle proportion aux États-Unis que c'est l'un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les recruteurs de l'armée, qui est donc l'obésité. Peuvent plus, beaucoup moins recruter de personnes parce qu'elles sont obèses. On sait aussi que la prévalence à l'obésité aux États-Unis devrait atteindre 42% en 2030, donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors, aussi, ce qu'on voit maintenant, qui est en train de se développer malheureusement, c'est en Afrique et aussi en Asie, et notamment, comme je le disais avant, parmi ces couches de personnes plus défavorisées qui ne mangent pas notamment équilibré ou qui n'ont pas la possibilité de manger équilibré et qui n'ont pas la possibilité de faire des exercices physiques. Est-ce que le Covid là-dedans, est-ce qu'il a donné une espèce de coup de fouet, encore une fois, à l'obésité? Oui, malheureusement, parce qu'on se souvient qu'on était déjà dans une situation de malbouffe, hein, je ne vous l'apprends pas, mais on a vu que lorsqu'on était confiné, lorsque les gens étaient confinés, eh bien, on a vu que les gens ont moins bien mangé. On a vu que c'était des situations de stress qui poussaient aussi les gens à manger. Et puis, ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, on a vu que durant le Covid, les gens qui étaient hospitalisés, bah, vous aviez plus de 60% des personnes qui étaient hospitalisées, eh bien, qui étaient des personnes en situation d'hypertension, qui sont souvent la caractéristique des personnes qui sont obèses ou en surpoids. Donc oui, il y avait un lien direct entre malbouffe d'un côté, puis d'un autre côté, eh bien, proportion à être plus malade avec le Covid si vous avez du surpoids. Quel coût pour la santé en lien donc avec ce fléau? Ben, c'est des chiffres absolument hallucinants. On est aux États-Unis, ça coûte 173 milliards de dollars par année. On sait que globalement, si vous prenez l'obésité, elle est responsable de 70% de tous les traitements du coup du diabète. Ça paraît logique, mais c'est absolument hallucinant. Vous avez aussi du diabète naturel. Vous avez 23% des coûts des traitements des maladies cardiovasculaires qui sont dus aussi à l'obésité, et puis 9% des cancers. Et le plus incroyable, donc là on parlait des États-Unis, mais si vous regardez les chiffres de l'OCDE, le traitement des maladies causées par les excès de poids coûte 8,4% des dépenses totales de la santé des pays donc de l'OCDE. Donc on voit que c'est un vrai coût au-delà de ce drame des personnes qui en décèdent chaque année. C'est un problème donc de santé publique, John. Est-ce qu'on peut considérer aussi que c'est quelque part, d'une
d'une certaine façon, une thématique d'investissement. Je ne sais pas si l'expression peut choquer ou pas, mais parce que derrière, il y a des boîtes qui sont cotées, des laboratoires qui cherchent justement à développer des traitements contre Oui, tout à l'obésité. fait. Alors, vous l'avez dit, c'est un peu dangereux de dire thématique d'investissement, mais c'est plutôt la thématique d'investissement, comme vous l'avez justement dit avant, dans les sociétés qui peuvent trouver des solutions. Et il y en a plusieurs. La première, c'est Novo Nordisk, la société danoise, qui commercialise le Wegovy, qui devrait vendre 3 pour 3 à 4 milliards de dollars rien qu'en Amérique cette année. Et chose assez intéressante, c'est qu'hier matin, vous avez la société, la National Institutes for Health, c'est la société de santé anglaise, qui a recommandé le médicament pour la perte de poids. Donc ça, c'est une chose déjà qui est très importante. Novo Nordisk. Après, vous avez d'autres sociétés qui s'engouffrent dans la brèche ou qui sont déjà bien présentes. Il y a les Américains Eli Lilly, Amgen et Pfizer. Et il y a aussi une chose très intéressante à regarder que vous pouvez suivre. C'est un indice, un ETF sur l'obésité, si on peut dire ça comme ça, avec toutes les sociétés pharmaceutiques qui essayent ou qui réussissent à développer des produits contre l'obésité, qui s'appelle le Solactive Obesity Index, et on voit que en bourse, eh bien, ça fonctionne aussi, puisque si vous prenez les bas de septembre, l'indice a fait plus 24%, alors que le S&P 500 sur la même période a fait plus 9%. Donc, on voit que c'est aussi une thématique d'investissement, non pas pour essayer d'accentuer la problématique de l'obésité, mais essayer de trouver les sociétés qui vont trouver la pépite pour faire baisser ce fléau qui est un fléau mondial pour la santé. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la banque Mirabeau. Merci John, salut, bon week-end. Merci David.